les résultats du séminaire. Merci à l'éminent public présent. Nous saluons le directeur du Goethe, les éminents écrivains, les élus locaux et les directeurs présents. Et je remercie l'ensemble des participants à ce séminaire qui ont bien accepté que je puisse les représenter pour donner la quintessence de nos travaux. Au Goethe Institut, s'est tenu les 21, 22, 23 octobre un séminaire sur la promotion de la lecture au Sénégal. Ce séminaire constitue la première étape du lancement d'un projet de promotion de la lecture. Il a réuni un panel d'experts issus du monde du livre et de la lecture. Auteurs, éditeurs, enseignants, linguistes, bibliothécaires, spécialistes de l'alphabétisation, animateurs culturels, élus locaux, journalistes. L'objectif général visé par le séminaire est de promouvoir et développer la lecture au niveau des populations de base. La première matinée a permis de faire l'état des lieux. Le Sénégal dispose d'atouts certains, comme l'existence d'un cadre juridique ambitieux pour le développement de la lecture et des bibliothèques. La création de la direction du livre et de la lecture, DLL, pour coordonner la politique nationale. Une école nationale de formation des bibliothécaires, EBAD, qui a un appui substantiel de l'État pour impulser l'édition. Nous pouvons saluer aussi les efforts consentis pour améliorer le taux d'alphabétisation. Dans les années 80, nous n'avions qu'une seule maison d'édition. En 2014, nous sommes passés à 35 maisons d'édition, regroupées au sein d'une association professionnelle, l'Association sénégalaise des éditeurs. Cela nous fait noter que l'édition est un secteur vivace avec une diversité de productions, allant de la littérature générale, scientifique, scolaire, des écrits pour la jeunesse et des écrits sur le développement. Paradoxalement, le réseau national de la lecture publique reste encore à construire, dans le sens d'une décentralisation plus poussée, pour un véritable maillage du territoire national. En effet, le réseau existant peine à toucher les populations à la base, en particulier les femmes déjà alphabétisées. Autre chose relevée, c'est la prédominance du français comme langue d'édition. Mais nous remarquons que les langues nationales sont de plus en plus présentes dans le secteur. En effet, la production éditoriale en langue nationale est d'une grande richesse, malgré l'insuffisance des moyens et l'absence d'un soutien conséquent. Cependant, le problème majeur demeure celui de la diffusion. Beaucoup d'ouvrages de qualité sont stockés dans des dépôts dans l'attente de rencontrer leurs lecteurs. Nous sommes convaincus qu'en visant les femmes et la petite enfance, le projet de promotion de la lecture du Goethe Institut va s'appuyer sur trois domaines de l'édition au Sénégal. La littérature intéressant le développement, la littérature générale, la littérature de jeunesse. Un temps fort de notre réflexion matinale a été relevé par les participants ivoiriens qui ont présenté des jeux éducatifs reconnus
dans leur pays comme le meilleur concept de la promotion de la lecture pour les enfants. Nous nous permettrons de citer le jeu Abili, jeu de cartes et de mots, qui signifie dans leur langue du terroir « amusons-nous », et un second jeu autour du football, le concept « lecture-ball », qui associe le tir au but à la lecture de morceaux choisis. Revenons au Sénégal et allons à Cheitou, où l'expérience plurielle en langue nationale de Kadour Cheikh Anta Diop, portée lors de notre séminaire par la voix de Ramatanin, a mis en exergue la capacitation des femmes du terroir. Notre réflexion et nos échanges, poursuivis dans l'après-midi, ont permis à la coordonnatrice de convier les participants à rejoindre les deux groupes de réflexion chargés de réfléchir, le groupe 1, sur la promotion de la lecture autour du concept mère-petite enfance. Le second groupe, toujours autour de la promotion de la lecture, mais des enfants en milieu scolaire. À l'issue de ce groupe de travail et de réflexion, le projet du Goethe Institut vise en premier lieu la promotion de la lecture au bénéfice de la mère et de la petite enfance. En effet, la femme qui acquiert le goût de la lecture est naturellement apte à transmettre ce goût à l'enfant en bas âge. Ce qui a été noté aussi, c'est que les sites d'implantation du projet seront les localités où les femmes sont déjà alphabétisées ou en cours d'alphabétisation. Pour accompagner ces dernières, il est important de mettre à leur disposition des livres adaptés à leurs besoins sociaux, sanitaires et économiques, mais aussi des livres d'intérêt général. Pour leur permettre de jouer le rôle de relais auprès de leurs enfants en bas âge, on leur fera découvrir des albums d'images, des livres de contes et même des jeux pouvant les intéresser à la lecture. Il faut noter que les livres évoqués sont écrits dans la langue maternelle et deviendront aussi des outils de renforcement de la relation mère-enfant. Pour avoir un fond type pouvant apaiser l'appétit de lecture des femmes alphabétisées, nous puiserons dans la production nationale et internationale existante. Nous encouragerons cependant la production locale d'ouvrages et d'outils adaptés aux personnes cibles et aux spécificités des localités retenues. Un accent particulier sera mis sur la valorisation de la tradition orale qui permet de meubler l'imaginaire de l'enfant grâce aux contes, aux mythes, aux légendes, aux devinettes et aux proverbes. Le groupe 2, dans sa réflexion partagée, travaillant autour de l'axe promotion de la lecture enfant en milieu scolaire, a permis de rappeler la nécessité de mettre en place un fonds type ancré dans le patrimoine culturel, mais ouvert au monde et ouvert sur le monde. Ensuite, les techniques d'animation autour du livre seront revisitées. Elles invitent surtout à une approche ludique, jeu de rôle, théâtralisation, lecture à haute voix, lecture spectacle, atelier d'écriture, création de jeux éducatifs et même de ressources numériques. Pourquoi pas des sorties sur des sites capables de stimuler l'imaginaire
L'expression orale installe une interactivité entre l'enfant, la mère et le maître. Ce trio, pour nous, est un cadre propice au développement de l'enfant, à l'épanouissement de la mère et au travail en interaction. Par le biais de compte rendu de lecture à haute voix, de comptines, de devinettes et la collecte des textes oraux peut nous servir de base. Mais nous nous sommes permis de taquiner le slam, qui aujourd'hui est un genre partagé dans le monde. Chose importante et à conserver au sortir de ce séminaire, c'est que dans le cadre et dans le contexte plurilingue dans lequel nous sommes, le lien avec la langue maternelle doit être maintenu. Il est majeur par l'introduction des langues nationales dans les apprentissages scolaires. Cela peut se faire par l'adulte, qui peut être le maître référent, mais cela peut être aussi relayé par la grand-mère, le grand-père, la badienogor, qui viendrait à tour de rôle, soit en classe ou dans un espace parascolaire, compter, dire, parler, lire aux enfants. Et pourquoi pas sous le fromager ou sous le baobab. Ce projet, l'atelier propose qu'il soit décliné pour une durée de 5 ans renouvelable. C'est un projet de promotion de la lecture publique au Sénégal qui, selon les termes de l'atelier, devra s'installer partout où il y aura un enfant, un cœur à conquérir, un enfant à scolariser, en privilégiant toujours l'environnement immédiat de l'enfant. Les espaces seront définis selon le temps scolaire ou le temps de vacances. Le projet repose sur l'implication de toute la communauté, au plan local, au plan national. Et nous sommes certains que pour la réussite et la pérennité du projet, différents partenaires locaux, nationaux, internationaux ont été identifiés. Ils seront listés dans le projet détaillé, dans le rapport détaillé. Les indicateurs d'évaluation ont été dégagés pour le suivi. Ils portent sur la nature des fonds, les usagers, les productions liées à la lecture. Mais il est important de rappeler que lors de la plénière, les participants ont tenu à rappeler que les localités pouvant abriter le projet sont déjà identifiées, qu'une sélection sera faite en tenant compte de critères dûment identifiés. Il en est de même pour le nom du projet. Des propositions ont été émises et un lauréat sera désigné par un jury. Nous en arrivons maintenant au terme de notre réflexion et de nos échanges partagés par quelques recommandations. L'accès aux livres doit être de manière équitable, de l'équité. Où qu'on se trouve au Sénégal, l'enfant, la mère et la communauté doivent avoir accès aux livres. L'achat d'ouvrages destinés à constituer le fonds type pour les femmes et les tout-petits, les enfants scolarisés, doit être aussi un de nos axes. L'encouragement à la production, la mise en place enfin d'un dispositif d'évaluation de toutes les activités à la base, à mi-parcours et à la phase finale. N'oublions pas que chez nos éditeurs dorment des milliers
valeur et de qualité qui n'attendent que leurs lecteurs. J'espère que dans cette salle, le message aura touché vos cœurs. Le groupe de réflexion et tous les panélistes, par ma voix, vous assurent d'une chose, que la qualité restera le credo de notre équipe. Nous vous remercions.